Amis, bonjour tout le monde et bienvenue au Paléo, deuxième jour, mercredi, et plein de surprises qui vous attendent dans ce Festi Live. Vous aurez les meilleures images dans le petit tour, quelques conneries, une enquête sur les styles de musique et puis on démarre avec les interviews, celui de Buvette et une surprise venue du duo zurichois et hambourgeois Boy. C'est un showcase, regardez. Seven little numbers, baby, I know yours by heart. And seven little numbers, baby, they could make a change. Seven little numbers make a fire, this flame. Whoa, oh, all the pretty things that we could be. Whoa, oh, I feel you in every heartbeat. Whoa, oh, a rebel in a dream could come true. These numbers could be lucky for you. Bonjour, c'est Buvette sur Rome Radio pour Festi Live. Now you know that I didn't run away, I had to go, nothing else to say. Une sorte de frustration parce qu'à l'époque je travaillais dans un bar et puis en rentrant à 4h du matin, j'enregistrais tout plein de samples, tout plein de boucles, tout plein de sons, et ensuite ces sons, je les réécoutais le lendemain, et ces choses, je les mettais ensemble, et ça devenait des morceaux, et les paroles des morceaux avaient en général trait à mon activité de barman. Donc c'est né plus ou moins un peu d'une frustration, c'est une manière de me décharger après le travail de nuit avec des ivrognes. Le Paléo Festival, c'est incontestablement un des plus grands festivals. Et qui dit grand festival dit bien sûr plusieurs artistes, plusieurs styles de musique. Mais selon vous, manque-t-il un style? C'est l'enquête qu'on a menée. Regardez. Du rap américain. De la disco. Hardcore, Frenchcore. Un petit peu plus de rap. Vendredi soir, il y a Aurel San. Il pourrait mettre un long line-up. Un peu plus long. Barrington Levy. Okay. Ce serait trop bien. Devendra Benhart. Ça, ça manque. Du reggae. D'Anakil. Moi j'y viens pas souvent donc je trouve que c'est bien. Beaucoup de rap cette année, donc c'est parfait. Youssoupha ou des rappeurs français quoi. Du rap et du R&B. Beyoncé, elle devrait venir une fois. Bah Iron Maiden ça serait le mieux, mais bon après si c'est possible ou non, je pense pas. Hein. Toutes. Ouais, toutes. Dès que ça bouge, tout faut que ça bouge, ouais. Toute la musique c'est super. Ouais. Contrairement à l'année dernière, il y a peut-être un peu moins de reggae ou raga ou peut-être du hip-hop, il y a un peu moins. Hein. Il manque peut-être un peu ça cette année. Muse. Du métal, pas vraiment, il y a eu Black Lion tout à l'heure, mais autrement, c'est sûr, c'est ce qui manque un peu. Metallica, Slayer. Je sais pas, un peu plus de pop, rien. Je suis pas très musique originale, donc dans l'absolu, franchement, je trouve que c'est bien jusque-là, j'aime bien. Il manque peut-être LMFAO, que Musilla qui a eu, mais sinon, franchement, le reste, c'est cool. Le rap, hip-hop, tout ça. Booba, tout ça. Ouais, ouais. Pour la suite de cette émission, le petit tour avec les meilleures images de ce mercredi. Quelques petites conneries qu'on a réussi à faire. Attention, attention, c'est du 10e degré au moins. Finalement, c'est quoi le problème au Paléo? C'est qu'avec la poussière, les gens, la bouffe, on est dégueulasse, on est sale. Et ben cette année, ils ont trouvé la solution, ils ont mis des human wash. Regardez, hop, vite. Wouh, je suis trop propre. Vous savez pourquoi il s'appelle comme ça ce festival? Parce qu'est-ce qui se passe quand on monte très haut comme je le suis? Eh ben on a peur.
et on est tout pâle. Et oh. Mercredi, c'est déjà fini en direct du Paléo. La bonne nouvelle, c'est que sur FestiLive.ca, vous retrouvez les émissions des autres jours, les interviews en intégralité, puis quelques bonus. Donc faites tourner l'adresse, faites tourner également le facebook.com/FestiLive. Et puis on se donne rendez-vous surtout demain en pleine forme. Ce sera jeudi. Youpi! FestiLive, à demain!